Les conditions routières sont assez difficiles en ce moment au Québec. D'ailleurs, il y a eu un accident sur la 116 à la hauteur de Sainte-Christine. C'est un face-à-face impliquant deux véhicules et ça a causé des blessures potentiellement mortelles. Donc, on surveille la situation. Aussi, sur la 116 à la hauteur de Saint-Bruno, il y a eu un carambolage avec huit véhicules. Pour ce qui est de la pluie, ça progresse depuis les dernières heures en Estrie. Et ce qui est en rose, c'est un mélange de pluie verglaçante grésile. Donc, pour le centre du Québec et Chaudière-Appalaches, on surveille ça. Ça risque de rendre les conditions routières assez difficiles également. Et pour ce qui est de la neige, eh bien, c'est dans la capitale nationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent qui risquent d'apporter de la neige forte et donc une visibilité réduite.